Quand on parle du champ magnétique terrestre, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la boussole. Et ça frappe en général l'esprit parce que c'est une expérience qu'on a tous vécue jeune, jouer avec une boussole, jouer avec un aimant. Et c'est une expérience qui laisse rarement de marbre. D'abord, le fait que la boussole puisse s'orienter dans le champ magnétique et revenir à sa position. Ce que vous voyez ici. Vous allez voir, ça va marcher. Voilà. Vous avez ici une boussole, et si je l'écarte, elle revient. Donc elle s'oriente dans le champ magnétique local, qui ici, on a essayé de se mettre loin des aimants, et est assez proche d'être le champ magnétique terrestre. Donc elles indiquent le nord. On peut s'amuser avec un aimant, à voir que l'aimant va attirer la boussole. Si je retourne l'aimant, ben je retourne la boussole. Et c'est assez... ça frappe l'esprit en général. La première fois qu'on joue à ça, quand on est petit, on y joue longtemps. Je vais essayer de ne pas y jouer trop longtemps quand même, mais c'est assez amusant. Et c'est assez amusant pourquoi? Parce que ça joue à distance. Il n'y a pas de contact entre la boussole et l'aimant. C'est un phénomène qui fonctionne à distance. Alors en fait, des forces qui s'exercent à distance sur les objets, on en connaît tous. La première, celle qu'on rencontre le plus jeune, et peut-être qu'on la rencontre trop jeune, c'est pour ça qu'elle ne nous marque pas, c'est la gravité. Hein, si je saute, je retombe sur Terre, et je retombe sur Terre. Pourquoi? Parce que la Terre me rappelle que je dois y être, et c'est la force, une force qui s'exerce aussi à distance. La force de gravité, je ne suis plus en contact avec la Terre. Une pomme tombe de l'arbre, c'est pareil. Mais celle-là, elle ne nous surprend pas, parce que depuis tout petit, on en a l'habitude. Alors celle-là, en général, on la rencontre un peu plus tard, elle fonctionne aussi à distance, mais elle marque les esprits, parce qu'on la rencontre un peu plus tard. Alors vous avez ici donc une boussole classique, ici une reproduction d'une boussole anglaise, une boussole ancienne chinoise, qui est en forme de cuillère, donc on pense que ça représente la forme de la grande ours et qui indique le sud avec la queue de la cuillère. Puis vous avez ici un petit bout de magnétite, c'est la matière, pardon, je vais peut-être la poser à côté, c'est la matière dont étaient faites les premières boussoles. C'est un oxyde de fer qu'on trouve à l'état naturel et qui peut être aimanté à l'état naturel. Donc les premières boussoles étaient faites dedans. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, l'aimant dévie la boussole, qu'on peut retourner l'aimant et changer de pôle. On constate aussi qu'on peut avoir des oscillations de l'aiguille et que plus je suis près, plus ces oscillations sont rapides. Plus je suis près, plus le champ magnétique ou la force de l'aimant est forte et plus la boussole oscille rapidement. Et en mesurant ces oscillations de la boussole, on peut mesurer la force du champ magnétique de la même manière qu'en mesurant les oscillations du pendule. Si elles ne sont pas trop grandes, on mesure la force de gravité qui se trouve être raisonnablement constante, et c'est comme ça que fonctionnent les horloges à balancier, puisque la période d'oscillation va maintenant être constante. Donc on ne sait pas bien qui est le premier homme qui a eu la chance de jouer comme ça avec des aimants et des boussoles. Les textes sont un peu flous, les scientifiques, les chercheurs ne sont pas tous d'accord, les historiens des sciences ne sont pas tous d'accord pour savoir d'où ça vient, probablement de Chine, mais ce n'est pas absolument certain. Et les premières choses vraiment probantes sont plus tardives. Donc je vous ai représenté ici un extrait d'un texte de Petrus Peregrinus, Pierre de Maricourt, en 1269. C'est un militaire qui faisait le siège d'une ville en Italie du Sud. Alors qu'il faisait le siège de la ville, il avait le temps de réfléchir. Et il s'est intéressé aux aimants, à couper des aimants en deux, à vérifier qu'en coupant un aimant en deux, ça faisait deux aimants, deux pôles nord, deux pôles sud. J'ai oublié de montrer les lignes de champ. Et son objectif principal par ce travail, c'était de construire une machine à mouvement perpétuel. Alors évidemment, il n'y est pas arrivé, mais il a essayé quand même. Juste avant de continuer avec les aspects historiques, je vais vous montrer quand même. On a vu tout à l'heure avec la boussole qu'elle prenait une direction donnée à côté de l'aimant. En fait, on peut voir l'ensemble des directions qu'elle prendrait si elle était placée près de l'aimant en visualisant les lignes de force du champ magnétique. Là, la petite poudre, c'est de la limaille de fer qui s'oriente dans le champ de l'aimant. Et vous voyez, je pense assez bien, ce qu'on appelle les lignes de force du champ magnétique. Donc si je place une boussole ici, elle va s'orienter dans le champ magnétique. C'est un moyen de visualiser le champ magnétique. Vous avez ici un aimant dipôle, vous avez deux pôles. Il n'y a pas, ou du moins on n'a pas trouvé de monopôle magnétique. Vous pouvez faire aussi un quadrupôle en mettant deux aimants dipôles côte à côte. Là, vous avez quatre pôles. Et on peut compliquer comme ça la structure du champ, mais la brique unitaire, c'est le dipôle. Alors, on ne sait pas bien qui, le premier, s'est aperçu que la boussole n'indiquait pas exactement le nord géographique, c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre. Là aussi, les textes sont flous, il y a une ambiguïté. Par contre, on sait qui s'est aperçu le premier qu'elle n'était pas horizontale. C'est-à-dire qu'elle s'incline également dans le plan vertical. Et ça, c'est Georg Hartmann,
qui l'a écrit, mais il l'a écrit dans une lettre au duc de Prusse qui est restée inconnue et qui a été découverte assez tardivement. Et la découverte a été en fait attribuée un peu plus tard à Robert Norman, qui l'a redécouvert indépendamment. Alors Robert Norman, c'était un fabricant de boussoles à Londres. Il fabriquait des boussoles très belles, très propres, très bien équilibrées. Et puis il aimantait l'aiguille en approchant un aimant de l'aiguille. Et au moment où il aimantait l'aiguille, elle se mettait à pencher. Donc il était obligé de rajouter de la cire sur le bout qui montait pour arriver à la maintenir horizontale. Au bout d'un certain temps, ça a fini par l'agacer. Donc il a fait la manip proprement. Il a planté une aiguille dans un petit bouchon. Il l'a laissé exactement pour être en équilibre dans un verre. Et il a vu qu'effectivement, l'aiguille ne s'orientait pas seulement dans le plan horizontal, mais également dans un plan vertical. Alors avec toutes ces connaissances en main, William Gilbert, qui était le médecin de la reine Élisabeth d'Angleterre, en 1600, a écrit un livre qui est considéré par les historiens des sciences souvent comme le premier livre qui dénote vraiment de la démarche scientifique expérimentale, qui s'appelle Le Démagnété. Et donc c'est un livre où la conclusion principale, c'est la Terre est un gros aimant. C'est-à-dire tout ce qu'on sait actuellement du champ magnétique terrestre et de ce que fait la boussole est compatible avec le fait que la Terre se comporte comme un aimant dipôle, comme le petit aimant barreau que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc en particulier, il critique l'essentiel des croyances de l'époque. À l'époque, on pensait que si on frottait un aimant avec de l'ail, il perdait ses propriétés magnétiques. C'est pour ça que pendant très longtemps, l'ail a été interdit sur les bateaux. Parce que la boussole était absolument vitale, donc on ne voulait pas d'ail sur le bateau. On pensait que si on mettait un diamant à côté d'une boussole, elle fonctionnerait mieux. Parce que le diamant était quelque chose de précieux. On pensait pouvoir juger de la fidélité des épouses en plaçant un aimant à côté du lit. Enfin, plein de croyances qu'il a invalidées. Et il a essentiellement écrit quelles étaient les connaissances testables expérimentalement à l'époque. Donc c'est dans ce sens que c'est le premier livre scientifique de sciences expérimentales. Alors après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que le problème pourrait être réglé en disant la Terre est un gros aimant, mais il ne l'est pas. Et une des raisons pour laquelle il ne l'est pas, c'est que le champ de la Terre varie au cours du temps. Alors le premier qui s'est aperçu de ça, c'est Henri Gellibrand, qui était un professeur d'astronomie et de mathématiques au Gresham College à Londres. Et une de ses activités, c'était de mesurer l'angle entre l'axe de rotation de la Terre, le vrai nord, le nord géographique, et le nord tel qu'il était indiqué par la boussole. Alors à l'époque, personne ne pensait que cet angle changeait, mais je ne sais pas pourquoi, ils le mesuraient quand même de manière systématique, je pense pour tester la précision de leurs instruments. Et ça dénote aussi un tournant de l'histoire des sciences, parce qu'il a fallu comme ça trois générations de mesures pour arriver à s'apercevoir qu'il y avait une dérive, vous voyez, 11 degrés, 6 degrés, 4 degrés, et il a fallu que Henri Gellibrand fasse confiance à ses collègues, à ses prédécesseurs, pour dire en fait ils ne se sont pas trompés en faisant la mesure, mais simplement que le champ bouge. Ce n'est pas quelque chose d'immuable dans le temps, c'est quelque chose qui évolue et l'angle entre l'axe de rotation de la Terre et l'axe du dipôle n'est pas constant au cours du temps. Alors une autre personne qui s'est beaucoup intéressée au champ magnétique terrestre, c'est Edmond Halley. Edmond Halley, vous le connaissez tous. Alors l'histoire du magnétisme terrestre est comme ça traversée de grands noms des sciences parce que c'était un grand problème pour la navigation. Donc Edmond Halley, vous le connaissez pour la comète de Halley, c'est lui qui a prédit son retour et qui s'est fait un nom très célèbre en le prédisant effectivement de manière exacte. Si on peut revenir, merci. Et donc il a aussi effectué trois voyages dans l'Atlantique pour essayer d'arriver à faire une carte du champ magnétique terrestre dans un bateau qui s'appelait le Paramour en français. Alors, dans ses livres, il décrit surtout comment il était malade dans ses voyages à cause du mauvais temps et de la difficulté qu'il avait à voyager. Mais il a réussi à établir comme ça une carte qui est la première carte du champ magnétique terrestre. Chacune de ces lignes est une ligne sur laquelle l'angle entre la boussole et l'axe de rotation, le vrai nord, est constant. Voilà, maintenant je vais vous présenter brièvement ce qu'on sait sur le champ magnétique terrestre, l'intérieur de la Terre et le champ magnétique terrestre, avant de passer aux manips. Donc on sait que la Terre a un champ magnétique qui est essentiellement un dipôle, plus compliqué qu'un simple dipôle. Donc là, ce que vous voyez représenté en vue d'artiste, ce sont les lignes de force du champ magnétique, exactement comme celles qu'on a vues tout à l'heure avec la limaille de fer. C'est la direction que prendrait la boussole si elle était placée à un endroit donné. On connaît aussi assez bien l'intérieur de la Terre. On le connaît par différentes méthodes. La principale étant la sismologie, c'est-à-dire l'étude des ondes sismiques qui traversent la Terre à l'occasion des tremblements de terre. Ces ondes échantillonnent l'intérieur de la Terre, elles reviennent, et en mesurant, on voit par quoi elles ont été réfléchies, et ça nous donne une idée des différentes couches à l'intérieur de la Terre. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la partie externe, je ne sais pas si j'ai un laser, je ne l'ai pas, la partie externe de la Terre, vous avez d'abord la croûte, qui est très fine, 50 km, puis après ça, vous avez 3000 km de silicate, c'est des roches. C'est quelque chose qui n'est pas magnétique, a priori, ou très faiblement conducteur d'électricité, et sans propriété magnétique. Et puis au centre, les choses les plus lourdes se sont accumulées quand la Terre s'est formée, quand elle était fondue. Et le centre de la Terre, le cœur de la Terre, le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, c'est essentiellement du fer fondu, parce qu'il fait très chaud.
Donc la Terre est une planète qu'on appelle différenciée, avec du fer au centre, presque pure. Et puis, quand on descend, la température continue à augmenter, mais la pression augmente aussi, et elle est telle que le fer devient solide au centre, et donc on a une graine de fer solide au centre de la Terre. Donc c'est dans cette partie de fer au centre qu'on peut envisager de trouver du magnétisme et l'origine du champ magnétique de la Terre. Alors je vous montre ici un film de la composante radiale du champ magnétique. Donc là, vous voyez le dipôle. Le champ sort d'un côté, rentre de l'autre, sort dans un hémisphère. Vous voyez que ce n'est pas exactement un dipôle. Ce n'est pas aussi simple que simplement un aimant au centre de la Terre en 1980. Et puis, on peut, comme c'est de la roche, les 3000 premiers kilomètres, on peut prolonger le champ magnétique 3000 kilomètres sous nos pieds. Là, vous voyez toujours les continents pour l'orientation. Et vous avez une carte du champ radial, du champ sortant ou rentrant sur la sphère, à la surface du noyau, à la surface du fer. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple dipôle. Si c'était un simple dipôle, on aurait un hémisphère qui serait orange, l'autre qui serait bleu. Là, on a quelque chose de beaucoup plus compliqué dans l'espace, qui nous paraît simple à la surface de la Terre et qui permet à la boussole de bien fonctionner parce qu'on est assez loin de l'aimant. Donc, on perd l'information sur les petites structures, ce que vous voyez ici. Mais si on était près de l'aimant, 3000 km sous nos pieds, on verrait un champ plus compliqué, ce serait plus difficile de s'orienter avec la boussole. Et puis, plus compliqué que ça, le champ magnétique varie au cours du temps. Là, vous avez un film, une animation, toujours de la composante radiale du champ magnétique, à la frontière noyau-manteau, 3000 km sous nos pieds. Vous voyez que c'est un objet qui évolue au cours du temps. Et donc, c'est compliqué. Et la question, c'est pourquoi il est là? Pourquoi la Terre a un champ magnétique? Pourquoi c'est si robuste? Et puis, encore plus surprenant, on peut regarder ce champ via des enregistrements indirects, qu'on a eu par exemple dans les coulées de lave volcanique, qui garde une mémoire du champ magnétique au moment où la coulée de lave s'est formée, au moment où le basalte s'est formé, ou alors dans les sédiments. Et on peut comme ça remonter l'histoire de la Terre. Là, vous avez 160 millions d'années, donc le présent est en haut à gauche. Le passé, 160 millions d'années, est... On a dit d'utiliser la flèche. Le présent est là, le passé est là. Donc vous remontez le temps en descendant. Chaque période noire indique un champ qu'on appelle normal. Par normal, on entend qu'il a la même polarité que le champ actuel. Et chaque période blanche indique un champ inverse, c'est-à-dire que la boussole vous aurait indiqué le sud, vous avez indiqué le nord. Alors ça, c'est quelque chose qui a surpris les gens quand ça a été observé pour la première fois, mais c'est fiable, ça a été observé en différents endroits du monde, on arrive au même code barre. Et donc on y croit, vous voyez que le champ s'inverse de manière très irrégulière, qu'il y a des grandes périodes pendant lesquelles il ne s'est pas inversé. Ce n'est pas des périodes pendant lesquelles on n'a pas de mesure, c'est des périodes pendant lesquelles il ne s'est pas inversé. Et donc, ça pose énormément de questions auxquelles il faut répondre, et je vais essayer de vous donner les clés de notre compréhension actuelle du problème. Alors juste pour revenir sur l'hypothèse que la Terre pouvait être un aimant, je vais juste vous dire un petit mot sur comment est un aimant. Alors déjà, bon, il y a un certain nombre de matériaux... Il y a quelques... Ça marche. Il y a quelques matériaux qui sont aimantables, mais en fait assez peu. Donc là, les matériaux purs, il y a le fer, et puis quelques autres, évidemment, qui est le plus connu, et quelques autres métaux. Il y a les oxydes de fer, comme la magnétite, là, qui fait du Fe3O4. Et il y a quelques composés plus rigolos, comme le premier, là, le or 2, manganèse, aluminium, où aucun des composés purs n'est magnétique, mais quand on les mélange ensemble, ça fait quand même un composé magnétique. Et donc, d'où vient le magnétisme de ces choses-là? Alors, une description vraiment très caricaturale. L'idée, c'est que chacun des atomes se comporte comme un petit aimant. Et contrairement aux boussoles qui ont tendance à s'aligner, quand on met deux boussoles l'une à côté de l'autre, elles ont tendance à se mettre tête bêche, à cause d'une interaction d'origine quantique entre ces différents atomes, pour certains corps qui sont ferromagnétiques, comme on appelle, ils ont la possibilité, la tendance de s'aligner parallèlement. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les petites flèches parallèles au-dessus. Alors simplement, cet effet d'interaction entre dipôles qui tend à les aligner est contrecarré par la température. La température, ça peut être vu comme une agitation, l'agitation thermique, on appelle, qui va avoir tendance à rendre aléatoires ces orientations et donc à atténuer, voire annuler complètement le ferromagnétisme. Et en réalité, pour les aimants, je ne sais pas si la flèche réapparaît là, non, elle n'a pas l'air de vouloir. Oups, revient par ici, voilà. Pour les aimants, on peut avoir une courbe typique de l'aimantation en fonction de la température qui est tracée là, et que bah, ça décroît quand on augmente la température parce que les dipôles ont tendance à se mélanger. Et il n'y a pas une température à laquelle l'aimantation devient nulle, qui s'appelle la température de Curie. Donc c'est une transition de phase entre un état ferromagnétique et un état
paramagnétique, on dit, donc qui n'a pas d'aimantation rémanente. Et pour le faire, la température, c'est 770 degrés Celsius. Or, au centre de la Terre, il fait chaud, comme disait... essayer de le contredire Jules Verne, et il fait extrêmement chaud. En réalité, les températures, c'est quelques milliers de degrés, selon l'endroit où on est. Et donc, le fer n'est pas magnétique. Et donc, ça infirme l'hypothèse de l'aimant. Et je ne sais plus ce qu'il y a derrière. Je vais montrer le... Alors, on va faire l'expérience. Voilà, donc on prend un petit aimant qu'on accroche sur une tige métallique, donc pour montrer qu'il est bien ferromagnétique. Et puis, on va le chauffer. N'essayons pas de mettre le feu. Appuie sur le dessus. Voilà. C'est bon? Donc on chauffe simplement les mains. Donc là, on agite thermiquement. Voilà. Cool. C'est bon, tu peux arrêter. Non. Du calme. Ouais, donc, l'aimant est tombé, et il est tombé parce que en fait, il s'est désaimanté. Et si on revient à la courbe de tout à l'heure, on est passé au-dessus de la température, et si on attend qu'il refroidisse, alors on ne va pas attendre parce que ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a un moment où il va redevenir aimantable. C'est-à-dire pour l'instant, là, il est tellement chaud qu'on ne va pas pouvoir le redescendre. C'est un mauvais exemple. Donc il s'est déjà refroidi. Il est déjà plus si chaud que ça. Donc, juste quand il est tombé, on ne va pas pouvoir l'attirer avec lui. Si on attend qu'il refroidisse un peu, et il redevient ferromagnétique parce qu'on est repassé sous la transition. Voilà. Donc. Et donc, la question maintenant, c'est par quelle hypothèse peut-on remplacer l'aimant permanent? Et donc, évidemment, le magnétisme, j'imagine que tout le monde, plus ou moins tout le monde, sait qu'on peut fabriquer, on peut créer un champ magnétique avec des courants électriques. Et historiquement, l'expérience avait été proposée par Hertzsprung. Donc, ici, j'ai une petite boussole. J'ai un câble électrique dans lequel je vais faire passer 20 ampères. Et donc je mets le câble à côté de la boussole. Je ne sais pas si c'est visible. Pas beaucoup. La boussole est parallèle au fil. Et quand j'allume le courant, hop, la boussole tourne et se met perpendiculaire au fil. Si maintenant je permute le sens du courant, par exemple... Hop, la boussole qui avant tournait vers la gauche, maintenant on va se mettre à tourner vers la droite. Bon, elle arrête pas de bouger, petite amie, voilà. Donc maintenant elle se met à bouger vers la droite. Alors au début elle est orientée par là, parce que c'est la direction du nord à peu près, modulo tous les aimants qu'il y a sur la table. Et donc quand on met le courant, quand on baisse le fil, petit à petit, la boussole dévie de plus en plus. Et ça, c'est lié au fait que le champ magnétique décroît avec la distance. Donc quand je m'éloigne, quand je me rapproche, la distance est plus petite, le champ est plus fort. Quand je m'éloigne, le champ diminue. Et le champ est proportionnel au courant qu'on applique aussi, plus ou moins. C'est-à-dire que là, je suis quasiment à 90 degrés par rapport à l'axe du fil. Et si je joue à changer d'intensité, par exemple, là j'avais 20 ampères, si je mets... 10 ampères, l'angle est beaucoup plus petit, de l'ordre de 45 degrés, là, je ne sais pas si ça ne se voit pas tellement à l'écran, mais c'est lié au fait que donc, le courant qu'on fabrique avec un conducteur est proportionnel, le champ magnétique pardon, qu'on fabrique avec un conducteur est proportionnel au courant. Alors évidemment, la bonne idée pour faire des champs magnétiques importants, c'est de faire des bobinages. Donc là, vous avez une bobine avec 300 tours, et si je la branche, ça va faire... un champ nettement plus important. Chaque fil mis parallèle va créer des champs magnétiques qui vont se cumuler pour arriver à faire des champs magnétiques un peu plus importants. Et alors je ne sais pas si ça va être extrêmement visible. Donc, si je branche ma bobine, hop, j'y arrive. Donc là, encore une fois, l'aiguille pointe plutôt vers la gauche par rapport à l'axe de la bobine. Et quand j'allume, l'aiguille s'oriente dans l'axe de la bobine, parce que en fait, une bobine comme ça crée un champ dipolaire de la même façon que l'aimant crée un champ dipolaire tout à l'heure. Faraday. Alors,
que je retrouve le fil de mon... Alors, donc, on voit qu'un courant peut créer un champ magnétique. Et je vais y arriver. Et inversement, si on commence à... pour essayer de comprendre un peu comment on va pouvoir générer un champ magnétique dans la, à l'intérieur de la Terre. Alors je vais éloigner ma boussole de l'aimant. Donc là, j'ai un gros aimant en fer à cheval qui crée un champ dans l'entrefer ici. Oups, j'ai abîmé la nappe. Et si on... Si maintenant, je crée une boucle avec un fil électrique que je vais brancher sur l'oscilloscope. Alors l'oscilloscope, il va simplement afficher la tension au bord de notre boucle, et que maintenant je vais pouvoir jouer à passer le fil à l'intérieur de l'aimant, c'est-à-dire à mettre du champ magnétique à l'intérieur de la boucle. Ce qu'on va voir, alors je ne sais pas, j'ai réglé l'oscilloscope, hop, hop, ça ne se déclenche pas, voilà. Donc lorsque j'ai fait le mouvement vers le haut, ce qui s'est passé, il y a eu une tension qui est apparue au bord de la boucle. Donc si la boucle avait été fermée, il y aurait eu un courant qui serait mis à circuler dans l'intérieur de la boucle. Et quand le mouvement est vers le haut, le champ magnétique est dans l'axe du fer à cheval, le courant qui va apparaître est perpendiculaire. Le magnétisme aime bien les choses qui sont perpendiculaires ensemble. Et alors, donc, j'ai vu qu'en montant, on crée une tension positive. Si maintenant je dérègle mon oscilloscope, voilà... Et que je recommence. Hop, voilà, on a une plus jolie courbe. Donc si maintenant je descends, on va avoir une tension qui est maintenant vers le bas, donc négative, c'est-à-dire que si le courant circulerait dans sens contraire. Donc le courant est proportionnel à la vitesse, et plus... J'ai réessayé, encore une fois, en essayant d'aller plus vite, voilà, j'ai essayé de descendre le fil plus vite, et le creux est plus profond, donc... En même temps que le courant créé est proportionnel et dépend du sens de la vitesse, évidemment, il dépend aussi de l'amplitude de la vitesse, donc il est proportionnel à la vitesse. Donc ça, c'est les expériences classiques de Faraday. Et maintenant... Donc en fait, ce que vient de vous montrer Nicolas, c'est une expérience dans laquelle on a transformé de l'énergie mécanique, le mouvement, en énergie électrique ou magnétique. Exactement. Donc maintenant, si on... Et donc ça vous rappelle évidemment, c'est ce qu'on appelle une dynamo, donc c'est la question qu'on s'était posée au départ. Et ça vous rappelle évidemment la dynamo de vélo, où on transforme l'énergie mécanique, celle du cycliste. Je vais te la mettre là. Alors attends, j'ai pas redéclenché l'oscilloscope. Donc là, c'est une dynamo de vélo de façon un peu amateur, mais c'est le même principe en plus simple que la dynamo de vélo, c'est-à-dire un aimant qui tourne dans un bobinage. Et comme l'aimant tourne dans le bobinage, ça va induire un courant alternatif dans le bobinage, que vous allez voir sur le signe. Voilà. S'il veut bien tourner, voilà. Non. Attends, le problème, c'est qu'on est un peu pourtant, entouré d'aimants. Donc il a envie de rester bien coincé, mais on va y arriver. 100 000, bon, attends, alors. Faut que c'est bon. Il faut régler l'aimant. Voilà. Voilà, donc là, on a un champ, quand l'aimant tourne, il crée un champ magnétique oscillant, et on voit apparaître la tension oscillante. Donc ça, c'est vraiment le principe de la dynamo de vélo. C'est vous pédaler et pour faire tourner l'aimant, et vous créez suffisamment d'électricité pour faire briller votre lumière. Donc la difficulté, là, c'est qu'on a utilisé beaucoup de fils de bobinage, et en fait, dans l'intérieur de la Terre, d'une planète, on a un conducteur homogène, c'est-à-dire on n'a pas de fil. Le courant électrique n'est pas obligé de passer en suivant un fil électrique. Donc on va faire une petite expérience de dynamo, qui est une dynamo homogène pour celle-là. Donc on a un aimant ici toujours du même type que celui qu'a utilisé Nicolas tout à l'heure, un aimant en fer à cheval. Vous avez un champ magnétique entre les deux bras ici. Puis on a un disque en cuivre ici, conducteur, qui va tourner. Et on va mesurer la différence de potentiel, la tension, entre l'axe du disque et le bord du disque. Donc, en espérant que tout va bien. Voilà, alors il y a pas mal de pics qui sont dus au fait que le contact électrique n'est pas extraordinaire, mais ce qu'on a vu, c'est que le niveau moyen, voilà, si tu arrêtes, le niveau moyen qui était au centre de l'écran est monté. Et éventuellement, tu.
Et on voit que plus il fait tourner vite la perceuse, plus la tension est élevée. Alors tu peux aussi changer le sens de rotation éventuellement. Ça défait. Bon, on a vu très rapidement que ça partait dans l'autre sens. Donc encore une fois, on va créer une tension donc, qui, si le circuit est fermé, va faire passer du courant, qui est proportionnelle à la vitesse et au sens de rotation. Alors, je ne sais pas si je me rappelle plus, tu l'as dit, mais on avait mis un champ magnétique aussi. Il y a un aimant permanent ici qui impose un champ comme ça, un mouvement de rotation perpendiculaire, et on mesure un courant dans la troisième direction. Donc les trois directions sont orthogonales entre elles. Et donc, la question qui va se poser, évidemment, c'est que comme on n'a pas d'aimant à l'intérieur de la Terre, il va falloir trouver un moyen de fabriquer ce champ magnétique pour... pour arriver à faire ces courants qui vont créer le champ magnétique, il va falloir aussi arriver à trouver une ruse pour se débarrasser de l'aimant qu'on a mis à l'intérieur. Donc. Évidemment, là, c'est un exemple qui est assez simple et pédagogique, mais qui n'est pas du tout intelligent d'un point de vue énergétique. J'ai utilisé un moteur électrique pour arriver à faire de l'énergie mécanique. Oui. Pour récupérer un tout petit peu de courant électrique à la fin. Donc voilà, vous avez un dessin un peu schématisé de l'expérience qu'on vient de réaliser, où on fait tourner un disque au-dessus d'un champ magnétique, ce qui crée un courant électrique. Et la difficulté, comme vient de le souligner Nicolas, c'est que dans l'intérieur des planètes, des étoiles, la chaleur est telle que le magnétisme permanent n'est pas possible. Donc cet aimant ici, je n'ai pas le droit de l'utiliser en fait, pour expliquer l'origine du champ magnétique terrestre. Il faut que j'arrive à m'en passer. Donc la proposition, à l'origine, a été faite par Joseph Larmor en 1919. Donc c'est cet homme ici, qui a été le premier à proposer une dynamo auto-excitée. Donc si le problème de l'origine du champ magnétique terrestre était simplement celui de la dynamo de vélo, personne ne travaillerait dessus. C'est un problème dont on a fait le tour, qui fonctionne bien. Il n'y a pas vraiment raison de faire de la recherche dessus. Pourquoi on s'intéresse toujours au problème? C'est justement qu'on n'a pas le droit à un aimant permanent, parce qu'il fait trop chaud. Et donc on cherche donc pas seulement à faire une dynamo, mais une dynamo auto-excitée. Alors le principe de la dynamo auto-excitée, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser un aimant, et que j'ai vu que quand je fais passer un courant électrique dans un bobinage, ça crée un champ magnétique à côté de ce bobinage, et bien je vais supprimer l'aimant et le remplacer par un bobinage. Alors si j'ai un courant électrique qui passe, dans le bobinage, je vais créer un champ magnétique. Et donc, finalement, sans aimant, j'ai mon champ magnétique. Puisque j'ai mon champ magnétique, je vais créer une différence de potentiel et donc un courant. Et donc, tout va bien. Je peux générer ce courant sans faire appel à un aimant permanent. Alors, je ne sais pas, je vois des hochements de tête, des regards un tout petit peu plus inquiets. On a un peu l'impression, dans ce raisonnement, qu'on a affaire à un problème de la poule et de l'œuf. Parce que j'ai mis le courant au début, puis j'ai dit, s'il y a un courant, tout va bien, je crée un courant. Donc c'est un peu le principe de la poule fait l'œuf, l'œuf fait la poule, et ainsi de suite. Mais qui était là au début? Qui a mis le premier courant initial? En fait, c'est un phénomène dans lequel le courant s'amplifie. Et dans la vie de tous les jours, en physique, pour les problèmes réels, le zéro n'existe pas. Il y a toujours un petit peu de bruit, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un tout petit peu de courant électrique. Il n'y a pas besoin d'être grand. S'il y en a un tout petit peu, il va être amplifié. Et donc ça suffit en fait à générer des courants électriques qui peuvent être significatifs sans avoir besoin au départ d'avoir un très grand courant électrique. Il n'y a pas vraiment de problème de poule et de l'œuf. C'est un problème dans lequel on a une source, je vais changer de place parce que visiblement ce n'est pas la bonne, une source de courant électrique. Alors, la source de courant électrique, elle va s'écrire comment? Là, je l'écris m oméga i. Alors, il faut que je vous explique un peu ce que c'est. Oméga, c'est la vitesse de rotation du disque. Plus je tourne vite, plus je vais générer une différence de potentiel et donc un courant électrique. Mais la différence de potentiel que je crée dans cette dynamo-là, elle est proportionnelle à quoi? À la vitesse de rotation du disque, plus je tournais vite, plus le courant était fort, mais aussi à la force du champ appliqué. On voit bien que si j'applique un champ beaucoup plus fort, ça va marcher beaucoup mieux. D'accord? Donc ça va être proportionnel à la force du champ appliqué. La force du champ appliqué, elle va dépendre de quoi? Du courant électrique qui passe, justement, dans le bobinage, puisque maintenant c'est un bobinage. Et donc c'est un terme qui va être proportionnel à I, le courant électrique. Et le coefficient de proportionnalité, on l'appelle M, inductance mutuelle. Alors ça dépend de plein de choses, ça dépend du nombre de boucles qu'il y a dans la bobine, de la position de la bobine par rapport au disque. C'est un coefficient qui prend en compte tout le dispositif expérimental. Donc ça c'est un terme qui va faire varier les courants dans le sens positif, qui va créer des courants. Vous voyez que si le courant est parfaitement nul, il est nul ce terme, donc je ne crée pas de courant. Mais dès que j'ai un tout petit peu de courant, je vais en créer par ce terme. Et à côté de ça, j'ai un terme de dissipation, c'est-à-dire un terme qui amortit les courants. Ça c'est la résistance. Simplement la résistivité, s'il y a des courants électriques dans un fil, il s'arrête parce que le fil est résistant. Les courants électriques ne peuvent pas passer, ce n'est pas un supraconducteur. Donc on a un terme de résistance, et on voit que dès que le terme source va l'emporter sur le terme de résistance,
on va pouvoir avoir une dynamo auto-excitée, maintenir des courants électriques sans aimant permanent. Et ça, ça se fait quand oméga est plus grand que R sur M, simplement que le premier terme doit être plus grand que le deuxième. Donc là, vous avez un exemple. Alors, on ne vous l'a pas fait expérimentalement parce qu'il faudrait tourner très, très, très vite pour arriver à le faire expérimentalement. Mais alors, vous avez... En réalité, on serait à la limite de la rupture des matériaux. Il faudrait arriver à faire tourner un disque tellement rapidement qu'il risquerait d'éclater sous l'effet de la force centrifuge. Donc, à notre connaissance, personne n'a essayé de le faire. En tout cas, personne n'a réussi à le faire jusqu'à présent. Bon, on va vous en montrer d'autres après, mais un autre après. Mais en tout cas, celui-là permet de bien comprendre comment on se débarrasse de l'aimant permanent dans les théories dynamo. Alors... Donc il y a toujours un problème, hein, c'est que j'ai un peu triché, j'ai utilisé un bobinage, j'ai réintroduit un bobinage là où je l'avais supprimé tout à l'heure. Et puis l'autre problème, c'est que j'ai utilisé cette perceuse, ce moteur, hein, j'ai besoin d'un moteur pour faire tourner le disque, j'ai besoin de quelque chose qui apporte de l'énergie mécanique au système pour arriver à transformer cette énergie mécanique en énergie magnétique. Et donc la question qui se pose, ça va être dans la Terre, qui est-ce qui joue le rôle du moteur ou qui tourne à manivelle? Et alors à l'intérieur de la Terre, comme vous l'a dit, il fait chaud et la chaleur est évacuée par l'extérieur. Et donc, on a en réalité au centre de la Terre, on a de la convection. C'est-à-dire que le fluide chaud qui est au centre va avoir tendance à se mettre en mouvement. Et c'est l'expérience qu'on a, pour illustrer ça, on a fait une petite expérience ici. La caméra. Donc, cette convection se passe dans la partie, essentiellement pour ce qui va nous intéresser, dans la partie du fer liquide, bien sûr. Alors, ici, l'expérience qu'on a fait, c'est. Une expérience assez différente de la rotation, du cas de la Terre, mais ça illustre assez bien l'idée générale. Vous avez une plaque chauffante et une petite cuve ici qui est remplie d'une solution de sucre, hein, simplement, pour que ça soit un peu visqueux. Et on chauffe, il y a une petite cale qui permet de chauffer uniquement au centre de la cuve. Et ce qu'on voit apparaître ici, sur l'image qui est derrière, c'est le mouvement du fluide. Donc le fluide chaud s'est dilaté, donc il est un peu plus léger que le fluide ambiant, et il va avoir tendance à monter au centre de la cuve, donc ça fait des espèces de champignons là, qu'on voit apparaître petit à petit. Et comme ça monte au centre, il n'y a pas de miracle, il faut que ça redescende sur les côtés. Donc on a une espèce de circulation à l'intérieur de la cuve, et ça, ça peut servir comme moteur pour mettre en mouvement le fer liquide qui va être à l'intérieur de la Terre. Donc ces mouvements, vous pouvez les obtenir en chauffant par en dessous, en refroidissant par au-dessus. Si le fluide est chaud et que vous le refroidissez par au-dessus, vous allez aussi évacuer, transporter la chaleur par des mouvements de convection. Et c'est en fait ce qui se passe dans le noyau de la Terre. La Terre se refroidit très chaude et se refroidit doucement. Et elle perd sa chaleur suffisamment vite pour avoir besoin de transporter la chaleur par convection, par des mouvements de convection comme cela, qui sont plus compliqués que ceux qu'on vient de voir là. D'abord parce que c'est une sphère, et ensuite parce qu'elle tourne très vite sur elle-même. C'est ce mouvement de rotation qui clairement est important dans le mécanisme de génération du champ, puisqu'on crée un champ qui est essentiellement aligné avec l'axe de rotation de la Terre. On voit bien que la rotation de la Terre va influencer les mouvements. Et donc c'est l'évacuation, le refroidissement de la Terre qui crée ces mouvements, cette énergie mécanique qui va être exploitée par le mécanisme dynamo pour créer des champs magnétiques. Alors jusqu'à présent, on avait mis des fils un peu là-dedans, au moins même dans le schéma de la dynamo dite de Bullard. Il y avait un fil qui faisait le champ magnétique au niveau du disque. Et bien sûr, dans la Terre, il n'y a pas de champ magnétique. Donc l'étape suivante dans le raisonnement pour essayer d'arriver au mécanisme de dynamo a été de dire, bon, on va essayer de faire une dynamo dans un milieu homogène. Il n'y a pas un milieu où le courant est obligé de suivre les fils. Et donc pour faire ça, on a pris un bloc de fer. Donc l'expérience, il y a le schéma de principe de l'expérience ici, l'expérience est là. Donc c'est des expériences qui ont été faites par Loves et Wilkinson dans les années 60. Et l'idée, donc, c'est de prendre un matériau massif en fer, il faut quand même faire un mouvement. On a vu que s'il n'y avait pas de mouvement, il ne se passait rien. Donc pour ça, on met deux rotors dans les blocs intermédiaires. Donc ils sont ici, là, vous voyez, il y a deux moteurs avec des arbres qui rentrent à l'intérieur, donc un rotor cylindrique qui fait la moitié de la profondeur du bloc, un deuxième rotor ici, et c'est pas exactement l'effet que j'attendais. Donc, quand on va mettre en mouvement ces deux rotors, on espère... Oui, on peut éteindre, pardon. On a une chance, comme on va voir un peu plus tard, de voir
un champ magnétique. Donc, ici, donc j'ai mes deux moteurs que je peux contrôler ici, et j'ai un capteur de champ magnétique qui est positionné à la surface du bloc, qui mesure la composante du champ qui est verticale. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, pour l'instant, rien ne bouge. Donc, on a un niveau de base ici qui n'est pas nul, parce qu'il y a le champ magnétique terrestre, hein, qui a une composante verticale. Et donc, on va attendre une seconde que l'alimentation des moteurs s'allume. Donc oui, alors je n'ai pas dit... Donc il y a des rotors, donc on est obligé de laisser un petit intervalle entre la partie en rotation et la partie statique, bien sûr. Et pour assurer le contact électrique, on a mis un filet de gallium à l'intérieur. Donc l'épaisseur de la séparation entre les pièces tournantes et les pièces statiques, c'est 0,25 mm. Donc il y a très peu de gallium. Et donc le gallium, c'est un métal liquide. Donc là, en l'occurrence, c'est un alliage de gallium. Et donc avec Christophe Giesinger, qui est peut-être dans l'audience, je ne le vois pas, on a peiné un petit peu pour arriver à faire démarrer la dynamo, mais normalement, avec un peu de chance, on devrait pouvoir la voir ici. Donc je démarre, donc la courbe, il faut regarder sur l'oscilloscope, je vais appuyer sur le bon bouton. Donc je lance le moteur, alors il commence légèrement à décroître, et avec un peu de chance, si on attend un peu, hop. Voilà, on voit que le champ magnétique commence à croître un petit peu jusqu'à s'arrêter. Bon, alors là, en l'occurrence, il continue de monter légèrement, ce qui est probablement dû à des effets... C'est du fer doux, donc c'est du fer qui, normalement, n'est pas d'alimentation rémanente comme un aimant, mais il en a quand même un petit peu, donc il met un peu de temps... Le champ magnétique met un peu de temps à s'arrêter, mais il va finir par s'arrêter à un moment. Et si maintenant j'arrête les moteurs, tout est en fer sauf la partie de gallium qui permet de faire le contact électrique. Donc il n'y a que du fer à l'intérieur. À l'extérieur des blocs, là c'est de l'acier inoxydable, mais à l'intérieur c'est que du fer pur. Donc ce qu'on voit là, c'est que le courant a décru plus ou moins de façon exponentielle. Alors le champ, pardon, je suis allé un peu vite, le champ a décru, et le champ est fabriqué par les courants qui circulent à l'intérieur des blocs, et on voit qu'il a mis une seconde ou quelques secondes avant de décroître, et ça c'est la dissipation des courants électriques qu'on a fabriqués à l'intérieur, qui sont en train de s'atténuer tout doucement. Comme le fer est un assez bon conducteur, ça met un temps suffisamment long pour qu'on puisse le voir. C'est le terme de résistance dont on parlait tout à l'heure quand on a fait le modèle de... Exactement. Et donc ça, c'est le premier modèle expérimental qui avait été réalisé donc, dans les années 60 à Cambridge, à Édimbourg, Newcastle, c'est ça. Newcastle, bon. En Grande-Bretagne, disons. Et donc, qui a d'une certaine façon validé l'idée générale du mécanisme de dynamo auto-excité. Donc là, on a affaire à un conducteur homogène, hein, quelque chose de très différent de tout à l'heure, ce qu'on a fait avec des fils électriques. Ce n'est pas encore un fluide. On ne vous fera pas de manip avec une dynamo fluide ici, parce que ce n'est pas faisable dans des petits espaces comme ça. Mais déjà, on a réussi à se débarrasser des fils électriques, et puis on n'a pas encore vraiment vu comment se comportait le champ magnétique et les courants électriques dans un conducteur homogène en mouvement. Donc on a essayé de voir si on pouvait l'écrire ou le décrire de manière simple. Je vais être obligé de faire appel un petit peu à votre compréhension et vous me fassiez confiance sur ce que fait le champ magnétique, mais je vais essayer de vous donner un peu d'intuition dessus. Si vous avez un champ qui est un champ dipolaire, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure ici, hein, c'est celui qui est créé par un aimant dipôle, vous avez des lignes de champ comme ça qui sont celles d'un dipôle. Si vous avez un champ comme ça, voilà, et que vous avez un cylindre qui tourne, et bien en fait, l'extérieur est au repos, le champ reste attaché à l'extérieur, et le champ qui est dans le cylindre est entraîné par le mouvement de rotation. Imaginez qu'il est lié à des petits courants électriques. Ces petits courants électriques, eh bien, ils restent là où ils sont dans le matériau. Comme le matériau a tourné, eh bien, ils sont déplacés avec lui. Et donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez entraîné le champ magnétique. Alors, si le champ magnétique avait été purement vertical, il aurait été entraîné en tournant comme ça. S'il est dipolaire comme ça, les lignes de champ coupent le cylindre et le champ se retrouve étiré, un peu comme de la guimauve. Hein, donc, on crée, à partir du champ dipolaire, on crée du champ qui s'enroule comme ça autour du cylindre, là où est le cisaillement. Donc c'est ce que vous avez sur la partie de droite ici. Et en fait, ce que fait la dynamo de Loves et Wilkinson, c'est de jouer avec deux
cylindres comme celui-là qui sont inclinés, de sorte que le champ qui est créé par étirement par un des cylindres sert finalement à renforcer le champ dipôle de l'autre cylindre. Comme ils sont inclinés un petit peu, si vous créez du champ qui tourne autour d'un des cylindres, ce champ-là, c'est quoi? C'est celui d'un aimant dipôle pour l'autre cylindre. Cet autre cylindre va l'enrouler, faire du champ autour du cylindre qui va servir d'aimant dipôle, de champ dipôle pour l'autre cylindre, ainsi de suite. Et c'est comme ça que joue la régénération du champ magnétique dans la dynamo de Lovejoy-Wilkinson. Alors, là, jusqu'à présent, on a créé de l'énergie à partir de l'énergie mécanique. Mais il faut quand même, ça ne peut pas être magique cette affaire, il faut que l'énergie vienne de quelque part. Vous l'avez vu tout à l'heure, aussi bien quand on faisait tourner la dynamo disque ici avec un aimant que quand on a fait tourner celle de Lovejoy-Wilkinson, je vous ai dit que si le terme source était plus grand que le terme de dissipation, de résistivité, ça allait croître. Ça ne croît pas éternellement. Ça croît, puis il y a un moment où ça doit s'arrêter. Et pourquoi ça s'arrête? Ça s'arrête parce qu'on est en train de prendre de l'énergie mécanique, et à un moment, il n'y en a plus assez à disposition. Donc ça veut dire qu'il y a un moyen par lequel le champ magnétique a un effet sur le mouvement. Dans le cas de la dynamo de Bullard, au moins qu'on a imaginé tout à l'heure, le moteur qui va entraîner le disque, quand on va commencer à générer le champ magnétique, va avoir à fournir un couple de plus en plus élevé pour arriver à entretenir ce champ magnétique. Et à un moment, on va atteindre la vitesse maximale, la puissance maximale que le moteur peut délivrer, et il ne pourra, pas maintenir la vitesse ou tourner plus vite. Donc, alors, pour essayer d'illustrer ces effets-là, on va essayer d'essayer de comprendre d'où viennent ces forces d'origine magnétique qui vont faire le transfert d'énergie. Donc, pour ça, il me faut à nouveau l'aimant en fer à cheval, une petite cale. Donc là, j'ai une tige en laiton, donc qui n'est pas aimantée. Hein, là, dans le champ magnétique, il ne lui arrive pas grand-chose. Et je vais faire passer un courant dedans. Donc je vais essayer de brancher tout ça. Voilà, donc c'est la tige du pendule de tout à l'heure. Elle est toujours libre de se promener, de se déplacer. Et si maintenant je fais passer du courant à l'intérieur, ce qu'on voit, c'est hop, la tige s'est décalée. C'est-à-dire que le courant qui passe, je ne sais pas trop dans quel sens ici, je ne sais pas non plus dans quel sens c'est le champ magnétique, mais le courant qui passe verticalement, le champ magnétique est horizontal vers le fond, et il crée une force perpendiculaire. Encore une fois, c'est l'histoire de trois effets perpendiculaires les uns aux autres. Si maintenant je fais passer le courant dans l'autre sens, hop, la tige se déplace vers la gauche cette fois-ci au lieu de se déplacer vers la droite. Donc, encore une force qui est proportionnelle au sens du courant. Si je retourne, si je retourne l'aimant en fer à cheval dans l'autre sens de façon à renverser le champ magnétique, la tige qui partait vers la gauche maintenant va partir vers la droite. Donc c'est encore un effet qui est proportionnel à la vitesse et au courant et au champ magnétique, tout en étant perpendiculaire au trou. Donc là, on a appliqué un courant, et tout à l'heure, on vous a montré qu'en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'appliquer un courant, avec un champ magnétique, un champ magnétique et du mouvement, on pouvait avoir un courant électrique. Et donc, on peut le voir ici, là, c'est un aimant que je vais faire tomber. Donc là, j'ai pris un tube transparent, simplement pour que vous voyez à quelle vitesse il tombe dans un tube, donc vous écoutez. Voilà, il tombe. Donc c'est de l'ordre d'une demi-seconde, le temps de chute à la louche. Et là, un tube en laiton. Alors, le laiton n'est pas magnétique, donc bien que ce soit un aimant très fort, si je le mettais sur du fer, j'aurais du mal à le décoller. Là, je n'ai pas d'aimantation du tout. Hein. Par contre, quand il va tomber, il va se déplacer. Ça va créer des courants. Voilà. Et en fait, ces courants interagissant avec le champ magnétique vont exercer une force et vont prélever de l'énergie mécanique, de la cinétique, de la vitesse. Et donc, l'aimant tombe beaucoup plus lentement dans le tube en laiton conducteur, quand les courants peuvent être créés, que dans le tube isolant. Vous voyez, c'est très magnétique. Et on peut revoir le même phénomène ici. Donc là, vous avez le pendule qu'on a utilisé tout à l'heure pour mesurer la gravité. Donc, vous avez vu que Nicolas a très bien travaillé les roulements à billes et qui fonctionnent pendant très longtemps sans s'arrêter. Si on place un aimant, donc pareil, hein, ce disque n'est pas aimanté, on ne peut pas l'aimanter, il n'y a pas d'attraction de l'aimant sur le disque.
voyez le temps d'arrêt du disque. Et donc, c'est effectivement le mouvement à l'intérieur du champ magnétique qui crée des courants électriques qui interagissent avec le champ magnétique lui-même pour transférer de l'énergie cinétique vers l'énergie magnétique. S'il n'y avait pas le champ magnétique, le pendule mettrait une dizaine de minutes avant de s'arrêter largement. Alors, donc là, on a vu que c'était des forces de freinage, c'est-à-dire l'énergie était prélevée pour freiner le mouvement, mais on va voir qu'on va pouvoir utiliser ces effets-là dans l'autre sens pour arriver à fabriquer du mouvement. Alors, il faut que je branche un peu tout ça. Donc, on va reprendre notre dynamo de Faraday tout à l'heure. Et maintenant, au lieu de la tourner pour fabriquer du courant, on va faire passer du courant à l'intérieur. Donc, on va un peu bricoler les contacts pour que ça soit pas trop de frottement. Voilà, donc si je fais passer, donc je vais encore passer 20 ampères, donc je ne sais pas si on va voir très bien. Donc voilà, donc là je fais passer du courant et on voit qu'on a mis en mouvement le disque en cuivre. Donc le courant qui passe sur le rayon du disque, parce que oui, j'ai pas précisé, mais le courant rentre par l'extérieur par le frottement du petit fil, là j'ai peut-être arrêté avant que ça chauffe trop. Le courant rentre à l'extérieur du disque par ici et ressort sur l'axe du disque par là pour retourner dans l'alimentation. Donc le courant, en gros, passe sur un rayon du disque horizontal comme ça. Le champ est horizontal dans le sens de la table et on est en train de fabriquer une force perpendiculaire aux deux qui va faire tourner le disque. Donc ça, c'est le principe de base du moteur électrique, sauf que c'est un moteur électrique assez pitoyable parce que, évidemment, avec des bobinages et tout ça, ça serait beaucoup plus efficace. Mais on voit... le moteur, on peut utiliser ces forces magnétiques également comme moteur. Et puis on va vous montrer encore une fois ces forces magnétiques à l'œuvre, mais cette fois dans un fluide conducteur, donc comme ce qu'on a à l'intérieur de la Terre, sauf que dans l'intérieur de la Terre, c'est du fer liquide, il faut chauffer un peu trop, donc on a pris de l'eau salée. Donc vous avez dans cette cellule de l'eau salée, qui est donc conductrice de l'électricité. Peut-être faire un petit schéma au tableau. Oui, je vais peut-être insister sur le dispositif avant. Donc il y a deux électrodes. Voilà, les deux électrodes sont ici. Ici, on met une pile de façon à faire passer du courant. Et là, ici, on a la solution de sel. C'est de l'eau salée. Et donc, le courant va passer au travers de la solution. Donc vous avez deux électrodes ici, une ici, l'autre ici. Et on va imposer une différence de tension, on va faire passer un courant électrique ici. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Quand on fait ça, là, c'est un petit peu sale parce qu'on a déjà fait ça tout à l'heure et que ça fait de l'électrolyse. Donc voilà, il y a un courant qui passe et on ne voit pas grand-chose. Et maintenant, je prends un aimant. Donc là, le courant électrique est dans cette direction ici. Hein, et j'applique l'aimant. Et j'espère que tout va bien se passer. Et je vois rien. Attends, il y a un problème. Et un peu plus de courant. Ah, ça y est, on voit bien. À part que je suis en train de vider de l'eau salée partout. Ouais, en fait, il faudrait peut-être un plan un peu plus large, là, si voilà. C'est possible. Là, vous commencez, vous voyez ici. Donc, il y a visiblement un dépôt qui s'est fait tout à l'heure dans la cellule. Là, vous voyez le fluide qui fait ça. Je vais le déplacer. Vous le voyez ? Il y a un dépôt, malheureusement, qui cache un peu l'image, mais on va finir par le nettoyer magnétiquement en repoussant le dépôt. Donc, il est indéniable que je mets le fluide en mouvement, à tel point qu'il déborde de partout. Ouais, ralentis un peu, et un peu moins de courant.
Le problème, c'est qu'on fait l'électrolyse, donc il y a des gaz. On est en train de faire des bulles à gauche, là, et donc les bulles chassent le fluide, chassent l'eau. Voilà, donc ça, c'est un principe de pompe électromagnétique qui est qui applique sur, avec des métaux liquides, on applique ces principes-là dans l'industrie pour pomper les métaux en fusion. Et c'est aussi, vous allez voir un peu plus tard, ce qu'on utilisait dans l'expérience VKS pour pouvoir remplir de sodium liquide. On utilise des pompes électromagnétiques dont le principe de base est ça. Donc moi, je le vois très bien vu du dessus, mais en fait, vous êtes un peu caché par les dépôts. Voilà, on voit bien quand même. Et si je retourne, évidemment, le G va dans l'autre sens. J'ai changé le signe de B. Le courant n'a pas changé. Et le fluide, maintenant, fait ça. Alors c'est aussi un mécanisme qui avait été proposé pour propulser les sous-marins en utilisant le fait que l'eau de mer est légèrement conductrice. Et si on a un réacteur nucléaire, on peut fabriquer pas mal de courant pour arriver à faire un champ magnétique très intense. Mais ceci dit que c'est pas monstrueusement efficace, en particulier il y a un gros problème technologique pour arriver à faire des bobines, des électro-aimants suffisamment costauds qui ne se fondreraient pas sur l'effet des forces magnétiques. Bon, je crois que c'est là pour renoncer. Voilà, là maintenant, il y a peut-être des bulles un peu partout. Alors, si on peut avoir l'ordinateur, s'il vous plaît. Voilà, donc maintenant, pour terminer, je vais vous parler de l'expérience VKS, que je ne vais pas vous montrer ici, vous allez comprendre assez vite pourquoi. Donc c'est une expérience qui est réalisée en collaboration avec trois groupes, donc le groupe dans lequel j'appartiens à l'ENS, un autre groupe à l'Observatoire physique de l'ENS de Lyon, et un groupe au CEA Saclay. Et l'expérience elle-même est située au CEA Cadarache. Donc, pour vous guider, pour montrer un peu à quoi ça ressemble, donc on a une cuve qui contient du sodium liquide. Donc le sodium liquide, ça a des aspects sympathiques parce que c'est le meilleur métal liquide, le métal liquide qui a la meilleure conductivité électrique et en plus qui a l'avantage d'être assez léger, ça a même densité que l'eau à peu près. L'inconvénient, c'est que d'une part, il faut le chauffer et en plus, c'est très réactif. En particulier avec l'eau, ça dégage une réaction, ça dégage de l'hydrogène et ça a tendance à exploser. Et à haute température, ça s'enflamme spontanément à l'air. Donc c'est pour ça qu'on fait ça au CEA Cadarache, parce que c'est eux qui ont développé le circuit de refroidissement de Superphénix, qui était refroidi au sodium liquide. Et donc c'est eux qui avaient la technologie pour gérer la manipulation de ce genre de métaux. Donc, là, on a une cuve, on a une série de cuves, en fait. On a une cuve à l'intérieur où il y a deux disques avec des pales, qui sont ces choses-là. Qui tourne pour créer le mouvement. Et le problème qu'on a avec tous les métaux liquides habituels, c'est qu'ils sont très peu visqueux. Et quand on prend un fluide très peu visqueux et qu'on le met en mouvement, ça devient turbulent tout de suite. Et le problème de la turbulence, c'est que ça consomme énormément d'énergie, ça dissipe énormément d'énergie. Et du coup, pour arriver à avoir des mouvements suffisamment importants pour avoir une chance de déclencher l'instabilité dynamo, peut-être une chose sur laquelle on a insisté un peu tout à l'heure, c'est qu'une instabilité, c'est un seuil. On a vu tout à l'heure, pour la dynamo de Bullard, il fallait que le terme d'induction soit supérieur au terme de dissipation. Et bien, de façon, cet aspect reste de façon générale, et donc il va falloir tourner suffisamment vite pour arriver à déclencher l'instabilité dynamo. Peut-être sur le seuil d'une instabilité et le seuil de la dynamo, il y a un exemple, surtout quand on était souvent au fond de la classe, que tout le monde connaît, j'ai oublié de présenter tout à l'heure. C'est surtout les gens du fond de la classe, en général, qui jouent à ça quand ils sont à l'école. Donc on appuie sur une règle, et puis ça s'appelle le flambage en mécanique. Ça, effectivement, c'est une instabilité. C'est-à-dire, si j'appuie doucement, la règle reste droite. Et puis, si j'appuie suffisamment fort et que je passe une valeur critique, elle finit par partir d'un côté. Et en fait, la solution de la règle droite continue toujours à exister. Mathématiquement, c'est une solution qui existe. Mais c'est un peu une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait une perturbation pour qu'elle parte. En fait, il y en a toujours une. Les règles ne sont jamais parfaitement droites. Donc, si j'appuie assez fort, il y a toujours un moment où elle va partir. Celle-là a visiblement tendance à vouloir partir plus vers le bas, mais elle peut partir vers le bas ou vers le haut. Donc, non seulement c'est un exemple d'instabilité, mais c'est un exemple d'instabilité avec deux solutions, un peu comme le champ magnétique qui peut s'inverser. Excuse-moi, Nava. Pour revenir au transparent,
Donc, pour arriver à passer le seuil dans les fluides ou les métaux liquides, en fait, on a utilisé 300 kW de puissance mécanique. Donc, on avait 4 moteurs de 75 kW, c'est à peu près la puissance d'un moteur de voiture un peu sérieux. Et du coup, l'essentiel, toute la puissance à la fin finit en chaleur, donc il faut aussi refroidir. Donc, c'est un jeu où on joue à faire la chaleur et à refroidir en permanence. Donc, on avait un peu moins de puissance de refroidissement, mais du même ordre de grandeur. Donc, en tout, on a 160 litres de sodium qui tournent là-dedans. Et pour des raisons historiques dans le développement de l'expérience, il y a toutes ces structures un peu compliquées de l'expérience. Donc, voilà une coupe, une vue intérieure de la cuve de l'expérience VKS. Donc, on a une première enceinte ici qui est en cuivre pour des raisons de conditions aux limites pour les courants électriques. Et au fond, on a un disque avec des pales. Les pales, c'est là, simplement pour favoriser l'entraînement du fluide. Le disque lui-même est en fer pur. Et ensuite, on a une deuxième enceinte à l'extérieur et on a une certaine partie du sodium qui est au repos, ou disons, qui bouge beaucoup moins que le fluide qui est à l'intérieur. Et le tout, donc la taille de la cuve est une quarantaine de centimètres, donc c'est pas énorme, hein, c'est en diamètre, c'est à peu près comme ça, plus l'épaisseur du cylindre externe qui fait 8 cm. Et donc on a un certain nombre de mesures à l'intérieur pour mesurer le champ magnétique. Donc là, c'est une vue du hall au CEA Cadarache. Pour vous donner une idée un peu de l'ampleur de l'expérience, ça ne tiendrait pas exactement sur la table ici. Donc la cuve est ici, et en fait, par des courroies, on renvoie aux quatre moteurs qui sont en dessous de la plateforme. Pour gérer toute la manipulation du sodium, on a un technicien, André Schiara, qui est visible sur la photo, qui est là sur le panneau de contrôle commande, qui gère tous les chauffages, refroidissement et compagnie de l'expérience. Et nous, on est cachés dans le module qui s'appelle « Mesures scientifiques en haut » quand l'expérience tourne. Donc le sodium liquide, ça a quelques problèmes de sécurité. Donc on voit un certain nombre de mes collègues en scaphandre lors des exercices d'incendie de sodium. Le problème du sodium, c'est quand ça brûle, ça fait des fumées, c'est de la soude, donc ça brûle les poumons quand on respire ça. Et par ailleurs, c'est aussi une expérience qui fait pas mal de bruit, et du coup, on est obligé de travailler avec des casques anti-bruit, se parler par radio et compagnie. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd à gérer. Vous avez une autre vue de la cuve ici, et une collègue à côté du panneau de contrôle-commande là-haut. Et donc, un beau jour, après avoir travaillé pendant une dizaine d'années à essayer d'optimiser la structure de l'écoulement et tout ça, ça ne s'est pas fait en trois coups de cuillère à peau. C'est la deuxième version qui s'appelle VKS2, une première version qui s'appelle VKS1, qui n'a pas donné de dynamo, mais qui a permis de comprendre un peu les phénomènes d'induction dans les métaux liquides et ce genre de choses. Donc un beau jour, on a eu le plaisir de voir ça. Donc en bas, vous avez la courbe de vitesse de rotation des moteurs électriques, qui vont passer de 10 Hz, c'est-à-dire 10 tours par seconde, à environ 22 tours par seconde ici. Et en même temps, en haut, vous avez la sortie d'un capteur de champ magnétique qui vous donne les trois composantes du champ magnétique. Et ce qu'on voit, c'est que on n'a rien quand on tourne lentement. Et pendant l'accélération, vous avez la croissance un peu explosive du champ magnétique, donc la composante en rouge en particulier, qui est la composante dominante. Qui a pris une valeur d'environ une trentaine de gauss. Donc c'est les unités, c'est des gauss, c'est en gros c'est 30 fois le champ magnétique terrestre. Ça c'est mesuré à l'intérieur de la cuve. Et on a un champ qui est relativement constant. Alors simplement relativement, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fluctuations. Et ça c'est dû au fait que l'écoulement reste turbulent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup énormément de tourbillons, de fluctuations de vitesse à l'intérieur de la cuve. Et ces fluctuations de vitesse sont reflétées par des fluctuations du champ magnétique induit autour du champ magnétique dynamo qui est fabriqué par l'expérience. Et dans ce cas-là, donc, on mesurait sur le bord du cylindre intérieur et on voyait que la composante était essentiellement parallèle au cylindre, donc une composante orthoradiale. Et alors c'est bien une instabilité. Donc ici, ce qu'on a tracé, c'est la moyenne du champ magnétique. Donc on a la notion fluctuant, on prend sa moyenne, en fonction de quelque chose qui est proportionnel à la vitesse de rotation. En réalité. Et
Donc on voit qu'à petite vitesse, essentiellement, on n'a pas grand-chose. Et brutalement, on voit croître cette composante en rouge qui montre qu'il y a un seuil d'instabilité, comme on s'y attendait, autour de, dans ces unités de tremble. Donc ça correspondait à 17 tours par seconde de nos disques. Et si on regarde la géométrie de ce champ magnétique, donc à l'intérieur, il y a deux composantes principales. Donc on a essayé de tracer les lignes de force du champ magnétique. Autour de l'axe de rotation des disques, on a quelque chose qui est essentiellement dans l'axe parallèle à l'axe de rotation, et c'est ça qui va sortir de la cube. Donc ça fait un dipôle qui est parallèle à l'axe de rotation de la cube. Et par ailleurs, quand on s'éloigne un peu de l'axe, la composante qui va devenir dominante, c'est la composante en rouge, donc qui tourne autour de l'axe de rotation, l'axe de symétrie de notre cylindre. Mais cette composante-là ne sort pas à l'extérieur de la cuve à cause des conditions limites. Et évidemment, un des résultats les plus spectaculaires qu'on a vus, c'est que, alors tous les résultats, j'ai oublié de le dire, mais tous les, pour l'instant, les courbes que je vous ai montrées, on faisait tourner les deux disques à la même vitesse, mais en sens inverse. Simplement, on n'est pas obligé de rester à la même vitesse, donc on peut jouer à faire tourner un disque plus vite que l'autre. Et là, on a vu apparaître toute une série de comportements dits dynamiques, c'est-à-dire d'un champ magnétique qui oscille, par exemple, qui change de sens de façon oscillante, un peu comme la dynamo de vélo qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi des renversements beaucoup plus erratiques. Donc là, c'est le même capteur que dans les figures précédentes, et on voit que la courbe en rouge, qui était les lignes rouges autour de l'axe du cylindre de tout à l'heure, change de signe. Vous voyez, le zéro est au milieu de la figure, et je ne sais pas si on a la souris. Voilà, donc le zéro est ici, et de temps en temps, vous voyez, au bout de quelques dizaines de secondes, vous avez un changement du champ magnétique. Et ça, évidemment, ça rappelle tout à fait ce qui avait été observé sur la Terre. Et non seulement ça se renverse, mais en plus ça se renverse de façon aléatoire. C'est-à-dire que ici, on a mis, 80 secondes avant de se renverser, puis hop, brutalement, ça se renverse, ça reste une dizaine de secondes dans une polarité, puis une dizaine de secondes dans l'autre, puis tout d'un coup, ça prend 150 secondes avant de décider à changer de sens, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a les périodes d'une polarité donnée sont de durée complètement variable. Et ça, c'est encore une fois, c'est une des caractéristiques des renversements de la Terre, du champ magnétique terrestre. Donc pour rigoler un peu, on a mis en haut le même diagramme, le même code barre que pour la Terre, où on voit en noir une polarité et en blanc une autre polarité. Donc ça a été enregistré pendant un peu, je ne sais pas, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Donc ça s'est renversé, je ne sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de fois en trois quarts d'heure. Et alors attends, je vais peut-être continuer juste. En même temps, on avait mesuré la puissance consommée par système. On voyait que, de façon simultanée au renversement, on avait des chutes de puissance. Où, après, c'est pas clair quel est l'œuf et la poule, si la chute de puissance vient du fait qu'on a moins de champ magnétique ou si c'est la chute de puissance qui cause le renversement. Les choses ne sont pas très claires. Mais toutes ces observations, on progresse un peu dans la compréhension du champ magnétique terrestre. Simplement, c'est loin de ressembler à la Terre. C'est un peu miraculeux, d'une certaine façon, d'observer tous ces renversements qui ressemblent beaucoup à la Terre. Mais bon, une chose évidente, c'est que ce n'est pas rond, mais ça, c'est relativement secondaire. Une chose plus importante, c'est que ça ne tourne pas sur lui-même. C'est-à-dire que la Terre, c'est un objet qui est en rotation extrêmement rapide, comme disait Emmanuel tout à l'heure. Et dans notre cas, il n'y a pas vraiment de rotation rapide. Il y en a, quand on est en régime décalé, ça tourne un petit peu, entraîné par le disque le plus rapide, mais ce n'est probablement pas vraiment pertinent par rapport à la Terre. Par contre, mes collègues Stéphane Fauve et François Petrelis ont développé des modèles. Et Emmanuel Dorvy, pardon. Je peux peut-être te laisser parler. Sur les modèles de ce propos, oui. Fini sur le. Bon, c'est pas complètement évident. Moi-même, je ne sais pas toutes les finesses, mais c'est essentiellement quand on a
quand on a décalé les vitesses, là, on a un peu rompu la symétrie à l'intérieur de la cuve. Et en particulier, donc, ils ont développé des modèles qui, dans ce cadre-là, en fait, on peut imaginer d'avoir plusieurs modes qui sont instables. Nous, on a vu le mode qui était apparu, c'était un dipôle. Mais en réalité, il y a toute une collection de modes qui peuvent devenir instables quand on commence à tourner de plus en plus vite. Et il pourrait y avoir un quadrupôle, par exemple, qui pourrait devenir instable. Simplement, le premier, celui qui va croître le plus vite, c'est celui qui va dominer, c'est celui qu'on va voir, parce qu'il va, imposer, disons, sa géométrie. Mais on peut quand même garder, le système peut quand même garder en mémoire, quelque part, le fait qu'il y a l'autre mode, et les interactions entre ces deux modes peuvent créer cette dynamique avec les renversements ou des oscillations, ou des choses comme ça. Si vous voulez, pour les inversions de polarité, la chose qui est peut-être importante à voir, c'est celle de ce petit modèle tout simple de la règle, hein, où on a une instabilité, donc il faut passer un seuil pour arriver à avoir une solution qui ne soit pas triviale. Dans le cas de la dynamo, c'est une solution triviale, ce n'est pas de champ magnétique. Dans le cas de la règle, c'est la règle toute droite. Et une fois qu'on a passé ce seuil, on a deux solutions, une vers le haut, une vers le bas. De la même manière, ici, on a deux solutions, une avec le dipôle vers le haut, une avec le dipôle vers le bas. Et après ça, si on a des fluctuations qui sont très importantes, ben on va pouvoir passer au cours d'une de ces fluctuations. Alors la règle est un peu tordue, ce qui biaise la démonstration. Mais on va pouvoir passer au cours de ces fluctuations, si elles sont de même ordre de grandeur que l'intensité du champ, d'une polarité à l'autre, puisqu'on a les deux solutions qui existent à notre problème. On peut faire passer la règle du haut vers le bas. Et la difficulté, c'est d'arriver à avoir des transitions, des inversions comme ça, avec des fluctuations plus faibles que l'intensité totale. Et c'est ce que la compétition de mode que vient de vous présenter rapidement Nicolas permet de faire. Si on peut revenir au transparent. Donc juste pour conclure, je voudrais vous présenter d'autres applications. Donc là, ce qu'on vous a expliqué, c'est les principes, les briques élémentaires de la théorie dynamo qui expliquent l'origine du champ magnétique de la Terre. Donc, je pense que vous avez, j'espère qu'on a réussi à vous faire passer le message, et c'est en mettant ces mécanismes ensemble qu'on arrive à comprendre l'origine du champ magnétique terrestre, tout en admettant bien que c'est un problème extrêmement compliqué, qui se trouve très loin sous nos pieds, qui est de très grande taille, extrêmement turbulent, extrêmement complexe, et que pour l'instant, on arrive à comprendre que des éléments de l'origine du champ magnétique terrestre. On arrive quand même à les mettre en évidence de manière expérimentale, de façon assez convaincante, et depuis VKS, de façon encore beaucoup plus convaincante, avec une dynamo fluide. La chose qui fait un peu rêver, c'est de penser que finalement, certes, la Terre est une dynamo auto-excitée, si on croit à ce qu'on vient de vous expliquer, mais ce n'est pas la seule. Et en fait, une grande partie des planètes du système solaire ont leur propre champ magnétique, d'origine interne. Donc de la même manière, vous avez un fluide en mouvement, à l'intérieur de ces planètes, parfois du fer, parfois pas. Parfois, c'est des planètes gazeuses, mais qui sont quand même conductrices de l'électricité dans certaines régions. Ce fluide est en mouvement, et par l'instabilité qu'on vient de vous décrire, une partie de l'énergie mécanique du fluide est transférée vers l'énergie magnétique. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les planètes du système solaire, mais de l'essentiel planète du système solaire. Et puis, si vous regardez notre étoile, le Soleil, c'est un objet qui est beaucoup plus gros que la Terre, hein, 100 fois le rayon de la Terre, et le Soleil, il y a aussi son propre champ magnétique d'origine interne. Alors, ce qui est magnifique par rapport à la Terre, c'est qu'on peut le voir. Si on regarde le Soleil dans les rayons X, dans la couronne solaire, on voit des boucles. Si vous regardez bien, vous verrez des boucles, et ces boucles sont la signature du champ magnétique du Soleil, qui est très complexe. Vous voyez, hein, c'est beaucoup moins simple que le champ terrestre. Ce n'est pas un simple dipôle, c'est un champ plus structuré. Mais il y a aussi un champ magnétique qui est également d'origine interne dans le Soleil. Donc là, on a affaire à un plasma. Mais c'est à nouveau un fluide qui est conducteur d'électricité, qui est en mouvement et qui transfère une partie de son énergie mécanique, son énergie de mouvement, vers de l'énergie magnétique. Alors donc la structure interne du Soleil est très différente de celle de la Terre, c'est une étoile, c'est pas une planète, mais on a également une région dans laquelle la chaleur est transportée par convection, c'est la région externe, convective zone, donc par le même mécanisme que celui qu'on a décrit tout à l'heure avec Nicolas. Là je vous montre une carte du champ magnétique radial à la surface du Soleil. Donc vous voyez que le champ magnétique est beaucoup plus compliqué qu'à la surface de la Terre, plus structuré, de plus petite échelle. Donc là, vous avez un diagramme latitude-longitude et vous voyez l'évolution du champ à la surface du Soleil au cours du temps. Et ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des moments où il y a très peu de taches. Hein, ces taches, c'est les mêmes que les taches solaires, les taches sombres qu'on peut voir dans le visible à la surface du Soleil. Là, on en voit la trace magnétique. Des moments, il y a très peu de taches. Des moments, il y en a beaucoup, qu'elles apparaissent à haute latitude et qu'elles dérivent au cours d'un cycle qui dure 11 ans vers l'équateur pour réapparaître dans le cycle suivant avec la polarité opposée, si bien que le cycle complet fait en fait 22 ans, le cycle qui ramène d'une solution à la solution équivalente. Et là, vous avez ce qui s'appelle le diagramme papillon, c'est-à-dire qu'on a moyenné ce qu'on peut voir du champ magnétique du Soleil en longitude,
autour du Soleil, et on représente simplement un diagramme latitude, donc la position entre les deux pôles, temps. Et vous voyez le diagramme papillon, pour des raisons évidentes, il s'appelle le diagramme papillon, et vous voyez ce fait que les tâches apparaissent d'abord à haute latitude, puis dérivent vers l'équateur, puis qu'il y a une période sans tâches, puis redéperdent avec tâches. Évidemment, c'est très intriguant, parce que le Soleil est un objet très très gros, très très dynamique, avec un champ compliqué, et puis il a un comportement qui a l'air beaucoup plus simple finalement que celui de la Terre, dans les inversions qui apparaissent de manière quasi périodique tous les 11 ans. Et puis si on va à des échelles encore beaucoup plus grosses, vraiment beaucoup plus grosses, hein, on parle d'années-lumière maintenant, quelque chose comme 10 000 années-lumière, 10 000 parsecs, 10 kilos parsecs, c'est la taille des galaxies, 10 puissance 22 mètres, pour ceux qui ne sont pas dans ces unités-là. Vous voyez, c'est des choses très très grandes. On pourrait penser que la physique n'a rien à voir et que ces objets-là se comportent de manière très différente. Et bien, les galaxies créent leur propre champ magnétique. C'est un champ magnétique qui est d'intensité plus faible que celui des planètes, des étoiles. C'est de l'ordre du micro-Gauss. Donc là, vous avez la galaxie M51 dans le visible. Et on peut cartographier le champ magnétique des galaxies. Et elles aussi créent leur propre champ magnétique. Et la seule théorie qui permette de rendre compte de l'origine de ce champ magnétique, et bien, c'est la même théorie, la théorie dynamo, celle qu'on vient de vous présenter. Donc vous voyez qu'à des échelles très très diverses, une grande majorité des objets naturels arrivent à produire leur champ magnétique, des objets astrophysiques ou géophysiques arrivent à produire leur champ magnétique par des instabilités semblables. Donc j'espère qu'on vous a fait passer les éléments importants. Merci beaucoup pour votre attention.